Résolution d'un exercice d'examen dans les conditions du direct. Donc l'exercice porte sur des listes d'entiers qui représentent un profil d'altitude d'une balade. Et il y a un certain nombre de questions sur les listes d'entiers qui sont à résoudre, de type trouver les sous-listes contiguës, déterminer les alors les dénivelé positif cumulé, alors ça c'est lié à l'exercice, à la nature de cette liste d'entiers, puis trouver d'autres choses, on verra à la suite. Donc d'abord, trouver les sous-listes d'entiers là-dedans, contiguës, c'est-à-dire on veut par exemple trouver, si on a toute la liste là, on veut trouver cette sous-partie-là, ou cette sous-partie-là, ou ici, ou la sous-liste qui comporte rien, mais sans coupure dans la liste. Donc c'est un exercice où on va essayer de parcourir la liste. On peut supposer que la liste est vide ou pas. Si la liste est vide, en général, la seule liste sous-liste possible, ce sera liste vide. Si la sous-liste n'est pas vide, alors on peut imaginer faire un travail récursif sur la fin de la liste, sachant qu'une fin de liste, si on a une sous-liste contiguë, cette fin de liste, c'est une sous-liste de l'ensemble contiguë. Et on peut se dire, est-ce qu'on rajoute l'élément E dans la sous-liste contiguë? En fait, il y a deux cas possibles. Il y a un cas où la sous-liste elle est séparée du début de L, auquel cas rajouter E, ça ferait une sous-liste avec des trous. Et l'autre cas où c'est le début de L. Donc, on va faire un prix de cas particulier quand c'est le début de L, auquel cas on pourra rajouter dans cette sous-liste l'élément E tant que c'est début de L. Alors je l'appelle début contigu, mais bon, pour se rappeler que c'est le même exercice, début contigu. Donc début contigu, alors d'une liste vide ça va être vide, mais on peut même d'une manière générale avoir un prédicat d'arrêt plus large qui prend n'importe quelle liste et on a dit que le début contigu c'est la liste vide et donc un autre prédicat qui prendrait au moins un élément ça serait donc s'il y a au moins si on veut prendre au moins un élément ben, il faut le donner et pour la suite et ben, on prend ou pas la suite. Ce qui nous donne, si on fait un test sur liste contiguë de la liste 1, 2, 3, le résultat, donc ça sera la liste vide, la liste, alors les listes qui prennent la fin. 3 seulement, ou 2 mais vont pas plus loin, ou 2 et vont jusqu'à la fin, ou 1, 1, 2, 1, 2, 3, et elles y sont toutes. Si on regarde des listes un peu plus longues, bon, il y en a beaucoup des sous-listes contiguës, hein. Donc on va peut-être pas prendre plus que 4 ou 5 éléments. Donc on aura à nouveau la liste vide, 5, 4, toutes les listes qui commencent à partir de 4, 4, 5, toutes les listes qui commencent à partir de 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5. À partir de 2 et à partir de 1, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la liste en entier. Donc premier prédicat, sous-liste contiguë, ça donne toutes les solutions possibles pour une sous-liste. Deuxième partie de l'exercice, trouver le dénivelé positif cumulé. Donc quand on avance selon la ligne d'altitude, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand il y a deux valeurs qui sont
croissante, faire la somme de la différence entre ces deux valeurs-là. Et quand, par contre, on est dans le décroissant, entre deux altitudes positives, on n'ajoute pas la somme. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est faire plutôt une liste qui transforme un prédicat qui transforme cette liste d'altitudes en une liste de différences positives ou zéro, selon que la pente est positive ou négative. Et puis après, faire un autre prédicat qui somme tout. Le fait que ça égale à 0, si ça somme, de toute façon, ce sera bien pareil. Donc, dénivelé cumulé positif d'une liste, ça donnera résultat avec donc transforme les altitudes en dénivelé et puis ensuite somme en dénivelé positif même en mètres. Puis après, on fera la somme des éléments d'une liste. Voilà. Alors, somme des éléments de liste, ça c'est le plus simple. Donc, si on a la liste vide, alors la somme, ça vaut 0. Comme ça, on a un prédicat général. Hein. C'est pas la somme des éléments positifs, qui est aussi un prédicat qui serait facile à écrire, mais bon. Donc, la somme des éléments d'une liste. Si on regarde la somme de la fin des éléments de la liste et qu'elle vaut R, alors le fait d'avoir un élément en plus, on aura comme somme E point E plus R. Reste à transformer une liste en ces dénivelé, une liste d'altitude en ces dénivelés. Donc, si la liste n'a plus que une altitude, ou 0 altitude, le dénivelé, eh ben, il n'y en a pas. Et s'il y a plus, donc c'est une récursivité, cette fois qui prend plutôt deux éléments, et avance en consommant un. On va le rajouter seulement si c'est positif. Donc si E est inférieur à F, donc la F, auquel cas on rajoutera la différence F moins E dans le résultat. Donc si E est plus petit que F, F est plus grand, F moins E positif, tout ça sera vérifié. Et on calcule la fin de la liste, donc c'est F, la transformation des altitudes en dénivelé. Et si ce n'est pas le cas, alors bah, on calcule la fin de la liste, mais on rajoute pas la différence. Alors on va déjà vérifier ce prédicat-là. Donc à partir de 1, 2, 5, 9, 6. Bon, on essaie de prendre quelque chose à peu près aléatoire. Et ça donne donc 1, 2, ça fait 1 de différence, 2, 5, ça fait 3 de différence, 5, 9, oups, ça, il fallait pas faire ça, et ça non plus. Alors, allô, bon, on recommence, ça avait l'air d'être pas mal, mais donc 9, 3, c'était pas passé, 3, 6, c'était passé.
On refait le calcul. Alors ça c'est l'éditeur qui est pas terrible. Donc 1, 5, 7, 3, 6. Donc 1, 5, ça fait 4. La différence 5 à 2, ça fait 2 de différence. 7 à 3, c'est négatif. 3, 1, c'est négatif. 1, 6, 5, positif. Voilà. Donc test du dénivelé cumulé positif avec la même liste. Pourquoi pas? On va changer un tout petit peu la liste, peut-être. On va mettre 10 ici. Allez. Donc ça fera un dénivelé 4 ici. Et puis là, une dizaine. Peut-être un peu moins. Nous fait un dénivelé commun de 9 plus 5, 14. C'est tout à fait possible. Donc 5 là, et puis là on a 4, et puis là 5, 5, 4, 9, 4, 14. Bon, sur juste un test. Troisième petit programme, déterminer s'il n'y a pas des pentes trop, il n'y a pas des points, enfin des angles trop importants. Des pentes trop importantes, donc c'est un parcours cette fois des dénivelés où on regarde les valeurs absolues des dénivelés qui sont pas plus grands qu'une certaine valeur. Donc il faut pas prendre des dénivelés positifs cette fois, mais il faut transformer les dénivelés en dénivelés positifs, donc prendre des valeurs absolues. Donc on va peut-être transformer. Donc le programme principal déjà, c'est donc pente. Ça va ressembler à ça quand même. Donc pente sans risque à une façon de faire, on peut faire en faisant qu'un seul parcours. Ouais, on va le faire qu'un seul parcours, mais ça ressemblera à transformer la pente et à vérifier qu'en même temps la pente est pas trop grande. Donc on va prendre ça pour faire le programme. Bon. Pente sans risque. Donc si il n'y a plus de qu'une seule altitude, la pente est sans risque. Ça, il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a besoin que d'un paramètre, pente sans risque. Donc si E est plus petit que f. Donc par contre, non, il faudra un deuxième paramètre, c'est le max. Alors, la pente, on voudrait savoir au maximum combien elle vaut entre deux points successifs, deux altitudes successives. Donc ce max là, bah, ça, il va pas changer au cours de l'exécution. Donc on met toujours le même paramètre partout. Et donc si donc E inférieur à f, donc la différence ça sera f moins e, et il faudra vérifier que cette différence f moins e est plus petite que m. Alors, plus petite ou égale. Donc f moins e plus petite ou égale par rapport à m. Et si la pente est dans l'autre sens, c'est E moins F qui doit être plus petit ou égal à M. Donc, tout ça, on enlève. Hop, on peut garder. Pente sans risque. Donc, ici, pour une pente de 3, ça devrait donner un échec. Ce qui est le cas, parce que entre 3 et 5, il y a 4 de pente, par exemple. Mais si on prend une pente de 30, prendre large, voilà, il y a un succès, c'est-à-dire qu'on arrive à vérifier que toutes les pentes successives sont de hauteur différence d'altitude de faire à 30. Dernière partie d'exercice, faire un prédicat qui détermine les sous-listes contiguës ayant le plus grand dénivelé positif cumulé sans risque pour une pente donnée maximum,
C'est-à-dire qu'on cherche sur donc pour une liste donnée la soustraction contiguë est le plus grand sans risque pour une pente donnée maximum. Donc on cherche pour une pente maximum, donc là par exemple la pente là entre il y a 200 mètres de dénivelé, 230 mètres de dénivelé. Donc si on veut pas de pente de plus de 200 mètres de dénivelé, toutes les soulises qui passeront par là elles seront interdites. Mais là il y a des pentes qui sont pas trop grandes, donc on cherche les pentes, les soulistes les plus longues possibles, mais qui en plus ne sont pas avec un dénivelé sans risque, et qui donc du coup cherchent le dénivelé maximum. Alors par exemple on peut aussi monter descendre, hein. Là ça sera pas mal. Alors le sujet il peut porter peut-être à confusion. C'est peut-être pas chercher les soulises contiguës qui ont un dénivelé positif cumulé et sont sans risque, parce que ça s'écrit facilement, mais ça ne donne pas exactement le résultat. Donc, si on l'appelle donc sous-liste idéale, donc une sous-liste sera idéal, je disais, si c'est une sous-liste contiguë on va demander aussi le dénivelé sous-liste contiguë, ça sans risque. Alors, il faut aussi demander, donc il faudra spécifier la chose, hein. Donc sous-liste idéale, ça sera une sous-liste de la liste d'altitude ici, avec un max de pente qui sera donné en deuxième argument, donc pour que cette sous-liste soit sans risque, de telle sorte que la sous-liste trouvée, donc R, on va peut-être plutôt S, soit avec un dénivelé cumulé maximum. Donc on pourrait essayer de trouver un truc comme ça. Donc on trouve les sous-listes, on regarde si elles sont sans risque et on calcule le dénivelé cumulé. Donc de L, donc le dénivelé cumulé positif, il fallait donc pas à partir de L mais à partir de S pour obtenir ce dénivelé cumulé positif. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ponctuellement ça peut donner le résultat, hein, mais surtout ce que ça va donner c'est que alors j'ai un problème de nom de alors dénivelé cumulé, c'est comment que ça s'appelle? Dénivelé cumulé positif, dénivelé cumulé positif. Et sous liste idéale. Ah oui, il faut en plus donc prendre bon pour l'instant 30. Donc pour l'exemple, donc on veut S avec le dénivelé commun. Donc j'avais plusieurs sources d'erreur. Alors, il me répond que ça peut être la liste 0 avec un dénivelé cumulé de 0, 6 avec un dénivelé cumulé, 1, 6 avec un dénivelé de 5, et ainsi de suite. 3, 1, 6 avec un dénivelé de 5, cumulé positif. 7, 3, on fait que descendre, mais donc le dénivelé cumulé positif est là, et ainsi de suite. Et peut-être qu'il s'arrête au bout d'un certain temps pour donner, pour pas donner les réponses. Le souci, c'est qu'il ne donne pas le max là. Hein, c'est qu'il. Dernière partie de l'exercice, hein, trouver la plus longue sous-liste contiguë et en dénivelé positif cumulé sans risque. Donc, chercher une sous-liste avec le dénivelé et la pente, avec trois programmes différents, séparés, les mettre les uns après les autres, ça donne des solutions qui ne sont pas forcément exactement celles qu'on voudrait. Ce qu'il faut avoir comme idée, c'est plutôt les intégrer les uns avec les autres, c'est-à-dire faire les trois en même temps et pas l'un après l'autre. Et donc, par exemple, comme point de départ, on peut prendre le programme de sous-liste contiguë qui consistait à
essayer de prendre ce premier point. On faisait un début qui commençait à ce premier point avec une sous-liste contiguë. Ou le point suivant, ou le point suivant, et toujours quand on prend un point, essayer de faire les sous-listes qui commencent, qui débutent à cet endroit-là. Sauf qu'on ne va pas faire seulement contigu à partir de ce moment-là, mais contigu maximum, de longueur maximum. Donc c'est pas la longueur sera pas n'importe quel début, mais maximum ça va être de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque. Tant qu'il n'y a pas de risque. Donc, et en même temps, on va calculer le dénivelé positif. Alors, pour ça, donc, on peut repartir du programme sous-liste contigu. Le transformer en un sous-liste contigu maximum. Donc qui consiste simplement pour l'instant à faire choisir le point de départ. Donc est-ce que c'est E? Ici c'est pas E, on continuera plus tard. Là on part avec E. Et du coup une fois qu'on a choisi E, on veut calculer la plus longue sous-liste. Sans risque, trouver un maximum et comparer peut-être avec une autre qui aurait été trouvée par ailleurs. Comment on va faire? Donc il faut rajouter peut-être le dénivelé maximum obtenu des un peu partout. Et en fait, il faut peut-être changer fusil d'épaule. Ici, on faisait les deux choses de manière séparée. Il faut peut-être maintenant le faire en même temps, c'est-à-dire regarder si on part de E, ça donne un certain dénivelé. Donc, des 100 E. Et puis, le comparer au dénivelé ici. Donc ce sera avec E. Donc il faut rajouter E. Et selon quel est le plus grand des deux, choisir un max spécial, alors qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être max 9. Donc en fonction de. Alors, on va mettre peut-être un peu moins que 9. Donc, sachant que c'est le premier élément, que l'un il a un. Alors, c'est pas le même R ici et là, hein. Se méfier. Ou alors, si c'est le même R, à condition que. Non, c'est pas le même R. Sous-liste contiguë max ici. Donc, là, on va l'appeler LS. Là, on va l'appeler R. Début contigu max maximum donc il y aura S d'un côté, R de l'autre, D sans E, D avec E, si on se trompe pas dans tous ces trucs, et du coup là-haut on aura la solution, donc c'est on va l'appeler max. Et puis le dénivelé max qui devrait être résultat de ce prédicat-là. Max, D, max. Ça, alors, le max, hein, c'est la sous-liste. Hein, si on la veut. En fait, on n'est pas forcé de l'avoir avec ces deux dénivelés. Alors, donc finalement ce max 9 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il n'y a que 7 arguments. Ça s'écrit facilement. Est-ce qu'il a besoin de E ce truc-là? Non, en fait il n'a pas besoin de E. Donc ce sera max 6 même. Donc si S est plus petit que R, alors la sous-liste max, enfin c'est pas S, c'est D
le dénivelé 100 E, S et 100 E, est plus petit que le dénivelé avec E, la sous-liste maximum, ça sera avec E, pardon, si elle est plus petite, et le dénivelé, ça sera du coup le plus grand des deux, celui avec E, et si D100E est plus grand, alors bah, le dénivelé, ça sera avec, enfin, 100 E, pardon, pour lui. Et donc, ça sera, j'ai mis 2 ici, c'est R, pardon, et là, ça sera S. Donc ça, c'était pour max 6. Reste à définir, début contigu maximum. Donc, ça ressemble à début, mais on va le modifier un petit peu pour que qu'il soit maximum. Qu'est-ce qui va bloquer le contigu? Ben, c'est qu'on est arrivé à la fin de la liste. Alors on veut avoir en plus le calcul du dénivelé positif. Et ça s'arrête si c'est le dénivelé. Et alors cette règle-là, par contre, on va la changer un tout petit peu. Donc, si c'est on est arrivé à la fin ou presque à la fin, le dénivelé est calculé. Sinon, donc, on compte. On prend cette sous-liste-là sous réserve que donc elle est sans risque. Donc sans risque, c'est ce qu'on avait écrit. Ah mince, il faut le maximum. J'espère qu'on l'a fourni quelque part. Donc sous-liste contiguë maximum. Bon, on l'a pas encore fourni. Ben, il faut le donner, le maximum. Donc c'est la sous-liste. Donc si on prend la même convention, L c'est la liste. M, deuxième argument, ça va être le maximum. Donc ici, début contigu maximum, il faut aussi le donner. Donc début contigu maximum, il est là. On vérifie pas que c'est positif. Hein. Je suppose que. Donc maximum, il faut que ce début contigu maximum, c'est les mêmes règles que tout à l'heure sur la pente. Il faut que. Si c'est la pente est négative, pardon, positive, si E est inférieur à F, alors il faut que F moins E soit inférieur à M. Est inférieur à F. Et donc, dans ce cas-là, le dénivelé, il s'ajoute. Donc, on va rajouter plus F moins E. Sur un dénivelé, faut pas oublier le F ici. Et on peut continuer. Il y a deux autres cas, trois autres cas à déterminer. Donc 1, 2, 3, 4. Allez. C'est si c'était plus grand que le maximum, eh ben c'est fini. Le dénivelé, il est positif, donc on. Alors, non, on ne le garde pas parce que il est trop grand, donc on ne prend pas. La sous-liste, c'est la liste vide. Voilà, c'est qu'on est arrivé à la fin. Ensuite, si le dénivelé était descendant, j'ai fait un copier-coller là qui va pas servir à grand-chose. Parce que il est descendant, on veut des dénivelés positifs. Donc, si E était plus grand que F, donc il faut vérifier que E moins F, donc la valeur absolue, hein, donc est plus petite que M. Si
Et auquel cas, on peut continuer avec F. Si c'est plus grand, à nouveau, c'est la fin de notre trajet. Et là, ça sera donc, si c'est plus grand, et moins F. Voilà. Est-ce qu'on a écrit tout? Donc, conclusion. Reste à vérifier sur un essai. C'est pas au début contigu maximum qui m'intéresse, c'est sous liste contigu maximum. Donc, avec une liste 1, 5, 4, 2, 3, alors 3, 4, voilà, ça descend, ça remonte, 8, 3, ça monte, ça descend. 2, je ne sais pas si la liste est très intéressante, mais bon, voilà. Donc il faut donner un maximum, récupérer une sous-liste avec un dénivelé. Ça, juste. Ah, j'ai le même souci que tout à l'heure, apparemment. Ah ben c'est bien, on va pouvoir essayer de le corriger. 1, 2, 3, 4, 2, 8, 3, 2. Alors, fin de l'exercice. Sur trouver le maximum, le plus grand dénivelé positif cumulé sans risque. Donc, il y a effectivement des petites erreurs dans le programme. Mais essentiellement, bon, l'erreur, c'est la gestion des contraintes. Donc tout à l'heure, j'avais marqué F-E ici. Donc ça, c'est sous la forme d'une contrainte arithmétique. Et c'est pas suffisamment bien géré encore. Il préfère de faire le calcul à l'avance. Hein, faire donc vraiment la soustraction qui, elle, n'est pas gelé jusqu'à connaissance de FE, de toute façon il n'y a pas de raison parce que F sont connus. Et pareil ici pour calculer le dénivelé cumulé, il est préférable de calculer le dénivelé cumulé avec donc tous les calculs arithmétiques qui étaient gelés, enfin qui utilisent des contraintes, la notation et les contraintes pouvaient être faits. Bon, donc il faudra arranger ça un jour. Mais donc le programme du coup alors fournit des choses qui sont pas si mal, mais il y a encore une petite erreur, donc on va corriger en même temps. Donc voilà, typiquement pour une liste, alors ça donne qu'une seule réponse, hein, c'est que j'ai fait quelques tests avant. Donc pour une liste un peu longue, ça répond assez vite. Donc là, alors je vous laisserai vérifier, il n'y a pas de sous-parties qui commencent à partir de 2 là. Et qui vont jusqu'à 9, qui ont un dénivelé cumulé de 7, en 2 à 3 ça fait 1, 3 à 6 ça fait 3 de plus, et 3, 6 à 9 ça fait 3 de plus, donc ça fait effectivement 7, et si on rajoutait autre chose, bon, voilà. Donc un dénivelé cumulé avec une pente maximum de 3, commence là. L'écriture de la sous-ensemble, donc là il y a des redondances. Alors bon, ben, c'est parce qu'on s'est un peu trompé. Quand on prend un élément, en fait, comme à la suite, l'appel récursif se fait avec la suite de l'élément, il faut rajouter des choses, enfin, j'imagine, hein, j'ai pas encore vérifié, un peu moins vite. Donc voilà, donc en corrigeant ça, on devra avoir cette fois. La bonne suite, voilà, 2, 3, 6, 9. Et si on rajoutait ici, augmenter trop fort, jusqu'à 15 par exemple. J'espère qu'il va bien s'arrêter. 2, 3, 6. Oh, il va plus jusqu'à 9? Oh, c'est dommage. On aurait dû autoriser encore Donc c'est bien un dénivelé de 7. Et le dénivelé de 7, c'est en prenant 9. Alors ça c'est donc c'est juste à nouveau un problème d'affichage. Donc l'affichage, donc quand ici c'est oui, il faut peut-être dire que on prend E là et là,
comme là, comme quand on n'avait qu'un seul élément. C'est des petits ajustements. Voilà, 2, 3, 6, 9, on a bon et on arrive au bon dénivelé. Donc ça n'a pas changé les calculs de dénivelé maximum et d'arrêt, mais ça s'arrête avant le 16. Voilà, et puis si on était redescendu à 8 ici, j'imagine que ça à nouveau prendrait le 8. Bon, alors là, il trouve qu'il y a beaucoup de calculs à faire, donc on autorise plus de calculs, mais voilà, en autorisant plus de calculs, il y a le 8 qui arrive. Donc ça doit être la solution. Donc la solution au final pour juste la dernière question, c'est ce prédicat un peu plus long, mais guère plus. Avec le max.